But then I've seen this match. What the fuck? Pas là aujourd'hui? Si, si, il va arriver. Il est juste pas là tout de suite. Ouais. Bah, il doit arriver normalement. Mais là, hier, si tu veux, il s'est levé avant 14h. Alors là. Oh, j'ai Sealers dans mon team deathmatch.
Bon bah voilà, je me suis fait grailler le cul par Sailors en team deathmatch. C'est sympa. Chiant lui, il fait que bouger, il tire pas.
être trop chiant de jouer contre ça. Oh, ces gens-là, c'est incroyable.
contre, l'invincibilité de merde, tu respawn en TDM. T'as dit quoi? Ils l'ont changé, avant c'était pire. Ah ouais? Parce que putain. Maintenant, quand tu tires, ça l'enlève l'invincibilité. Avant, quand tu tirais, ça l'enlevait même pas? Non. Oh, c'est terrible.
prêt à jouer ou pas, Jorkim? Bah, dans 20 minutes. 20 minutes, ok. Il reste 10 teams en ville. Ah, si, j'ai regardé avec toi alors. Twitch. Third place, is it going to be Brutaram, is it going to be Archangel Predator, because you can lock Division X Gaming in first place. The GGs are out early DXG. For Division X Gaming. They kind of left it to the final day, but that's all you need to do. Time your run right, and you'll get rewarded for it. Ferox pushing onto DIC, now it's just a matter of placement. Ils sont chauds DXG, j'imagine, avec 159 points. It is still so close, Archangel Predator out in 10th position. That does mean though that oh, they were not QC ils étaient premiers pendant 3 jours. United, ils ont rien fait I think Addy's just gone down. Ils sont combien là? Yeah. So là ils sont en 5ème. En 5ème c'est Miss. 4 4 ils viennent de passer devant. Ouais. We spoke about QC sort of all night having a high amount of kills. So they'll have the kill advantage in that regard for the tiebreaker for second. QC will come in second. Buriram in third. Archangel in fourth. Maiden Thailand in fifth. Unless DIC, who've still got two players alive, do a hell of a lot more, they might be able to send Made in Thailand out of the top five. We'll see how it plays out. Golden Cat also trying to see if they can increase their gap from 8th to 10th. But we see where we're going now, Jordan. The top six is done. Division X are going to be your winners. And now we just play the rest of it out. I wonder if Golden Cat can manage a big game here to jump over DIC and potentially Divine. Unlikely, of course, because they need to get a lot more points out of this. But if they get a win, if they get a good win, there's a good chance for it. Division X Gaming, though, 4 kills already, and that's enough. But they're going to continue looking for some more placement points as well. They're not actually in a bad position circle-wise either. Do need to be a little bit aware of DIC, but DIC is down to the two players, so... It's going to be tough for those guys NBK. To really push into Division X, who admittedly are also playing really, really well today. So can't imagine that they're going to struggle in that engagement. Jukesy on the other side of DIC, he'll be waiting for this rotation in. Maybe Fury can still find a win for the Aussie boys, although with Ronan out in the field there, things are not looking too kind on them at all. Jukesy's quite isolated as well. Does at least get the knock onto Anquan, so there's some more points on offer there for Fury if he can finish that one. But I think really it just does come down to Waikika Mukau, who is sitting in the center of the circle, and the other two Fury boys probably going to struggle to even get in. Tonkei knocks down Jukesy. Ronan's the last one alive for Fury Australia, who at least cracked triple digits. That in itself is at least accomplishment, considering how close this lobby has been. 10th place should be on lockdown for them, unless Victim from the Future do something crazy here towards the end with three players remaining. Ronan finds a kill onto 74L1. They'll send DIC out in 7th. 6 teams remain for what is our final game for PCS APAC, Jordan. It's been an amazing tournament, I must say, over these 20 games. It's been super, super close. But these last two games, Division X did pull away. But you can see it on the leaderboard. They pulled away from what was a very, very close pack from 2nd to 7th. Definitely, and they've sort of exceeded my expectations as well. I talked about 153 points kind of being that mark that they needed to hit. They've gone well above that, and they're going to continue going well above that as well. So far, a massive, massive day from Division X Gaming. 105 points they came into it with. So 55 they've already put on, and they have a chance of even more. That's 11 points a game for 5 games. That's insane. Golden Cat going to get the last feed of the tournament. Creatory Esports involved in that with Castell and IQ500. You would imagine Division X know by now that they've won it for Fergus, MBK, and Sapow. But you still, as a competitive player, play to the end. You just never know. You're just never that 100% certain. I remember when FaZe at PGC, they actually had no idea, even right up until they won it, they still weren't sure of that amazing comeback win. So Division X are probably aware of the fact that they've done enough, but they just want to make sure that they do as best as they can to finish it off. They push on to Venotica. MBK is going to be knocked down. Venotica goes for the quick flush. They trade. I don't think from here we'll catch Atletico. Fergus with a nade, but... it's all novelties from here. Yeah, Sapow did sit at the back, and he actually eliminates Fnatic. He was that rear guard. He was the one that stayed back, and
Fergus went forward alongside MBK. Fergus cops a few bullets there from Kreatori, but this is why you leave a player at the back on the flank, because Sapau, just look at the damage that he's putting into those guys that are trying to pressure Fergus, really helping him out quite substantially. Things could come unstuck fairly shortly here for Sapau, though, because he does have to move. The blue is pushing him in. Can he join Fergus, or does he opt to go elsewhere? There's not that much cover in front of either Sapau or Fergus, to be quite honest, who both not in the circle. Golden Cat probably not getting enough kills at the moment to overtake DIC or Divine without a victory. But a victory is very much in the cards. They're sitting in the center. They've got a compound. They've got three players alive. They're the healthiest team at the moment. They're not in any of these engagements right now. There's also pride on the line as well, wanting to find a win. I mentioned at the start, victim from the future for Indonesia. If they win this game, it means the Oceanic region is the only one that didn't find a chicken dinner in this tournament. Right now, it's Oceania and the Indonesian team, which, to be fair, they are the only Indonesian team. Yep. And, of course, Archangel Predator was the only Philippines team, so they were at a disadvantage in that regard. They were in a 3v3 to finish it off. Well, actually, 3v3 versus 2v1. Fergus's color there almost blending in with IQ500 and Castell. Five kills and top four. Everything that the teams below Division X did not want them to achieve this game. But in saying that, it's also not as if QC or Buriram or Made in Thailand ended up getting those 11 kills and getting to this position. Yeah. Because then we'd be talking about the fact that it was just a matter of, well, Division X ended up getting those points. And it wasn't even close. So at least they feel... I still think you would probably rather as a team have given yourselves that chance of being here with 11 kills and be like, okay, well, they survived. There's nothing we could have done about that. Yeah, I mean, I guess it really depends on your mentality, right? Because it'll be more crushing if you got that close, but yet that so far. Fergus goes down, and that's Division X Gaming out in fourth, and they've done well enough, 165 points, miles above the rest. Great job from Division X Gaming. They'll be happy with how they performed here in the final game. Golden Cat looking to overtake DIC and Divine, put themselves into sixth place, and that is a very realistic possibility. The other storyline going on right now is VTF looking for that first win for Indonesia. It's going to be tough, though, that RDK has been knocked down by Maxinus. Not only that, but then Teddy and Man just outside of this circle in favorable position. They really needed RDK to stay alive, get to this shack, put a lot of pressure there, take that building, get six sacks out, and then you probably think they can go on and win it from there. The Man does take down IQ500, gets it to a 2v3, and they do have some vehicles left. I'm not sure if Teddy can really stay here and anchor, though, because that blue is going to put a lot of pressure, but Man can at least push over to this little hill. You can see as he goes dipping below it to this tree. Gets closer towards the center of this circle for phase 9. Nothing but pride on the line. Unless Golden Cat win this and the placement points to the left of the rankings hasn't quite been updated yet, maybe they jump above DIC. I don't think they're updating, by the way. So I think it's like whoever wins this gets an extra 10 points. Yep. But it looks like Golden Cat are going to take out Victim from the Future. Man in a 1v3. The final moments for PCS APAC is upon us. Golden Cat looking to jump above into the top six to finish it off. Victim from the Future, we're looking for their first chicken dinner and for the first one for Indonesia. Not going to happen. It is Golden Cat coming away with a 10-kill win to close out PCS APAC here for the Charity Showdown. Winner, winner, chicken dinner, 10 kills, 10 placement points. And what a way to finish. In the end, Division X Gaming are your winners, though, Jordan. Ouais, les deuxièmes, ils ont que 6 points, et les premiers, ils ont 10 points. Ça vaut vraiment le coup d'être les premiers, alors. Je pensais qu'il n'y avait que 2 de différence. Je vais pisser, je reviens.
Godio du coup. Ouais. Let's go. C'est bien ça, c'était les trois premiers qui passaient. Les trois premiers les... qui passent, ok. Majin Thailand, Archangel, ils sont 4-5. C'est les Burinam United qui passent, les Q confirme et Division X. C'était totalement la fin là? Ouais, c'est la dernière journée pour le APAC. Demain c'est Asie, la dernière journée de Asie. Mais ce soir il y a encore Europe et NA. Et demain il y a Asie, Europe et NA. Phase finale. T'as essayé de fatiguer? Il y a Ibiza qui est ranked. Chercher à boire, j'arrive. What's your name? Alright. Maybe later. Maybe later, Knockies. Later, Ruski. Don't like the overlay and all that take like some frames or a lot? What overlay? You mean like a like cam overlay? No, like you can see it's working or not. Yeah. Oh, you mean the Discord overlay? Yeah, the Discord overlay. Yo, Guillaume. Yeah, turn that shit off. Dès qu'il revient, genre Kim, on commence à jouer.
chat. Yo, this song is good, chat. Let's go. Another one. Another one, boys. Did you say good morning, Jeeves? Good morning. Did you just wake up? An hour ago. Not nice. Even less. Nice. That's good. That's good. What the fuck are you doing, Matta? What are you doing? Didn't understand anything, but it sounded quite funny though. Drinking beer and jerking off. Oh, Runka. Alright? Runka. Runka. Runka, senor. Okay, I'm ready. I'm back. I got my breakfast here. What is it? Smoothie. Is it a gainer smoothie? It's actually not, it's like a fruit one. Oh, it's your like kale and fucking like asparagus. This one is like strawberry, banana, vinegar, almond milk. It's good actually. Yogurt. It's not, it sounds good, but I'm too lazy to buy all that shit, man. It's expensive to make smoothies every day. Yeah. Teleflex. Alright, let's go. Same shit. Nice, I didn't press shift. Teams is low apparently. I'm gonna turn team off. Hold on. Am I low? You're good now. I'm good. Okay. I mean, my volume and sound and everything is always scuffed. See one guy with us. Two, yeah. Three. I think we should have better shoots, right? I feel like I have a good shoot for a minute. See three. Yeah. three, four. We'll take a boxing. We are boxing. We're going boxing. There, one is also. One is coming boxing here. Yeah. Fuck, dude. You jump down? Hey, I think he opened the door. The door is open on the third floor. He could be there with a gun. And I don't know if he had a gun. Sound. One fourth floor. One first floor under you, James. Yeah, thank you, Ron. One is under Fortuna, yeah. Yeah. Fuck, this is not good. C'est pas très bien fait, Gamepedia. I hate arena, guys. I don't know. Is he under me, is that? Pas ouf. I saw one first for arena, I assume that's it. Fuck, I mean Fortuna. Okay. But I don't know, he could be anyway, this guy, dude. It looked like he vaulted in on blue, literally. Yeah. Can we just follow the orange line? I like that, and then just go west around? Yeah, I think. Okay, someone come with me. In. I'm gonna wait here before he's camping. Charité. Push like pros. Yeah. I'm gonna aim for the 5 story. Yeah. Yeah, I'm with you. I like your coat, Tibby. It's like flying. Sick in as fuck, right? Running. Yeah. If you look at me. Tu préfères duo ou demain squad? One guy office, East Town. He's in construction on green. I'm Joachim. I can't see him anymore. Yes, if you're doing big plays right here. We got control. We can loot off. I got a lot of meds, I got 6 first places. Merde, j'avais pas vu. J'ai pas vu que j'étais mute depuis tout à l'heure. Tu préfères duo ou demain squad? Pour le moment, autant duo. Duo, let's go. Putain, j'étais mieux depuis tout à l'heure. Nice. Sympa. One is on here orange. I don't shit like him.
I've broken them all now. Here, I'm orange. Tag him once. Holy fuck, he threw that thing. We're holding the cross, we're holding the cross. Crossing? He's crossing. That's another guy. Two guys. What? Okay. One cross. One more. Nice. So, I see one here. First floor on this orange. One still on orange. On this floor. Is it red? Yeah. Have you seen the last guy? No. I see him. He's still in there. Second floor, seems. He's gonna peek. Red pull. Knocked him. Nice. Again, we're down. Now. Together, right? Yeah. I'm going down as well. Yeah. That's One of these guys had a mini that I killed closer to you guys. Okay. Yeah. I'm not taking it, you can take it. Okay, yeah. Eric. I can take it. Flash hider someone? I'm good. I'm good. Okay, anyone need my 6-6? Yes. Why would that second guy cross? Tu vas aller où du coup? Oh, n'importe. Je sais pas, c'est cool, ça te va? Ouais. Reverium pour toi aussi, du coup? Ouais. Ok. Quand Tarn arrive, on fera peut-être un MM ou deux histoire qu'il chauffe et après on partira en ranked même si on est 3, tant pis. Oh yes, tu me fais plaisir en disant ça. De toute façon, si Arne et moi on a réussi à faire un top 1 à 2 en Demon Squad ranked, à 3 ça devrait le faire aussi. Hein. Y'a des mecs sur le toit avec moi. Ouais, je suis descendu direct. Je crois qu'il y a deux gars. Quoi? Ok. Bon. Ah, j'ai mérité, hein, je pense. J'étais un peu greedy. Ouais, frère, arrête. J'aurais eu n'importe quelle autre pompe, je suis sûr que je l'ai reculé quoi. C'est dommage. Mais lui, toi t'es un génie toi frère. Tu m'as mis deux coups de pompe sans me voir et... Tu me pré-shotes. Arrête quoi. C'est XX Dark Joker XX qui m'a tué. Il me regardait pas du tout et d'un coup il avait un gros flic vers moi. Bah bien joué à toi. Hein.
Les IMA, ça a pas beaucoup d'HP, non? Non. Quand on voit une Zima, on l'éclate, quoi. C'est quoi les voitures qui ont le plus d'HP? Dacia, non? Le van. Le van? Ouais. Ouais, bon, les vraies voitures qui ont le plus d'HP. Les voitures. L'UAZ. L'UAZ, ça a plus d'HP que la Dacia? Ouais. Ok, je sais pas. Après, c'est le van, il a le plus d'HP, mais c'est facile, c'est lent. Et c'est beaucoup trop facile à toucher, ouais. L'UAZ, pareil, c'est pas forcément lent, mais c'est moins rapide qu'une Dacia et c'est plus facile qu'à toucher qu'une Dacia. Puisque c'est moins haut. Ouais, c'est plus haut que la Dacia, pardon. Par contre, la Dacia, c'est chiant pour faire des drive-by. Parce que pour redémarrer une Dacia, aïe aïe aïe. C'est long. Ça te va mon point ou pas? Ouais, ouais. Ça, tu l'appelles comment? Parce que Charles et moi, on appelle ça usine, mais je sais pas trop si on l'appelle. Milta. Petit Milta. Ouais. Il y a le grand Milta Power, et ça, c'est petit Milta Power. Petit Milta Power, il y a plus souvent plus de gens qui a Milta Power d'ailleurs. Non, c'est l'inverse. Ah bon? Voilà, il y a une team à Milta Power et il y a nous. Ah, peut-être deux teams. Il y en a un autre qui est tout en haut là. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, c'est un bot. Il y a un bot qui flotte au-dessus de Milta. Oh, j'ai un Mosin. Je vais tenter d'aller lui mettre un shot. Pareil pour le shot de Mosin. Ah, dommage. Ouais, les bots ils spawnent avec une arme. Ah ouais? Il a une arme? Ouais. Ouais, il a une arme. Il a une M16. Bot égale cheater. Il y a un JDT3 tout en bas. Et un deuxième JDT3. J'ai déjà. Le casque et je suis full T3 lui. Ouais, moi aussi. Oula, SLR, ça c'est pour me faire plaisir ça. Il y a une Scarl ici. Oh, je vais peut-être la prendre. Bah du coup, il y a une AK. Il y a une AK là, ouais. Tu veux aller jouer ce Milta Power ou pas? Ouais. J'ai un flash header pour toi. Si t'as envie. Flash header d'AR. Oh putain, le bot okay, il est chez nous, attends. Okay. Tac 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 tac. Lui il avait une AK. Ah bah, il m'a mis des shots hein. Allez, bah on va se faire. Recharger mon Mosin quoi. Vas-y, je suis ready to go. Putain, je vois que c'est que ma deuxième game hein, parce que là, le spray le spray à la scale que j'ai mis sur le bot. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté la difficulté des bots quand même, parce que là il m'a mis un turn instant le bot. Ils sont cheatés de toute façon les bots. En vrai je suis sûr que par exemple un joueur qui est mauvais, face à un bot il se fait soulever, c'est obligé. Oui, au moins, le mec avec qui on a joué hier soir, c'est sûr lui il se fait tuer par des bots. Je pense ouais. Isoka Sensei.
sont pas sortis du bâti central. S'ils ont pas loot ici. Ah non non. Ah. C'est un médecin. Oh, je le vois. Il est dans la petite tente par laquelle on est arrivé. Ah mais Nick. Putain il fait mal. Mort dans la tente. Du coup. Ça me fait délirer quand tu mets headshot avec. Et que le mec il. Ça y est, ils m'ont vu. Il rate pas une balle, hein. Il rate pas une balle. Arrête, arrête, arrête de mytho. Ouais, vas-y, tire à travers la tente, je te dirai rien, fils de pute. J'ai qu'un headshot, moi. Qu'un holo pour tirer sur les mecs avec la SLR, donc. Je suis à la mire sur mon fusil. Ça va être sympa, quoi. Il était où le gars? Il doit avoir sa bonne 6x. Dans les tentes. Ok, j'ai pas de gros. Un down. Devant la tente. Devant la première tente. Je me bandage vite 2 secondes et j'arrive. Oh, c'est bon, je suis en bandage. Bien joué. Ah bah c'est pour ça qu'il loupait pas un shot. J'aimerais bien. KTI-8. Wow. SLR, nice. Alors lui il avait une SLR 4X, c'est sympa. Du coup il flash hider, je t'ai pas filé. Attends, je vais prendre la bière. J'ai pas besoin. T'as pas besoin. Il y a une SKL là. Non, j'en ai pas. Ah, y'a pas de trousse. Moi j'en ai qu'une de trousse. T'as zéro toi? Bah ouais, j'ai utilisé la mienne du coup. En termes de boost, c'était comment? Parce que j'ai qu'une boisson. Si jamais t'en as un peu en rap. Ah oui, j'ai qu'une boisson. C'est bien. On a un buggy. Et on est totalement dans la zone. Okay. J'ai pas vu s'il y avait quelqu'un qui avait spawn à Milta. J'ai pas fait attention. Milta, j'ai pas regardé. Le deuxième mec, il a pas du tout essayé de rester son pote. Hein. Il nous a bien rushé comme un sac sur la colline, quoi. Incroyable. Il y a des logiques que j'ai pas tout le temps. Hein. J'ai même pas vu qu'il. J'ai pas entendu qu'il avait rejoint. Qui a rejoint? Arne. Oh, sérieux, il est là? Putain, j'ai même pas vu. Ouais, il est full mute, il dit je finis de manger. Ok. J'ai même pas vu. Bah ouais, j'ai pas entendu rejoindre. J'ai juste entendu qu'il y avait un message sur Discord. Il en a envoyé un aussi, j'imagine. Même pas. Non, non, il l'a mis sur le Discord dans le général. Ah oui, d'accord.
Je vais pas regarder s'il y a des trousses dans la petite maison derrière là. Oh, pas bien. Si tu veux, va falloir tuer des gens fast. C'est pour les faibles. Comme le casque les deux. Ah oui. Attends. Ok, c'est bon. Ah. Je crois que j'ai crash. Ah oui, tu cours bien dans un arbre. T'as crash du coup? Ouais. J'ai le jeu qui est frisé. Bim. Tu fais des petites TP latérales, très sympa quoi. En plus on a une AUG juste devant nous qui est pas très loin. Je t'avoue que je l'aurais bien récupéré, c'est dommage que tu craches à ce moment là. Ah ouais, l'AUG est dans la montagne juste devant nous. Rapide, le jeu il met une heure à se lancer. Tain, ah bah... Je sais pas ce qu'ils ont branlé avec leur jeu. PVG. Avant ils mettaient 20 secondes à se lancer. Je pouvais crash dans l'avion et juste là avant la fin de l'avion. Quoi. Ah ouais, avant il était plus rapide. C'est que là en plus tu cours droit sur le mec à la UG. Hein. Allez, peut-être un peu plus à droite, il y a moyen qu'il te voit pas. J'essaie de te suivre, mais bon. Ah c'est bon, t'as déco, t'es arrêté de bouger. Et tu te rendras pas de dégâts tant que tu seras pas reco. C'est déjà ça. What? Y'aurait pas un petit bot qui a envie de me donner un kill en plus là? Oh là là, ça fait tellement juste là. T'arrives à relancer le jeu? On a une team juste à côté. Dans un AUG. Ça va être sympa dès qu'on ira les fights. On est full entouré par des mecs tout autour de nous. Là on est full entouré par des mecs partout autour de nous, c'est sympa. Je pense que je me suis encore mieux sans faire exprès, hein. Ça me pète les couilles. Tu dis quoi? Oula. T'as un gros lag, enfin t'as... Ouais, mon processeur il est à 100%, je sais pas quoi. Quasi. Entre mes FPS ça pourrait être bien de revenir deux secondes.
Il y a une petite AUG devant nous. Petite SLR derrière. J'attends prône hein, derrière un arbre. Alors quand tu reviendras, il y a des gens sur mon waypoint et il y a l'AUG sur mon ping. C'est ça qui m'encule. Attends, what? Pourquoi t'as pris autant de dégâts là? Tu viens de prendre full dégâts. C'est un mec de loin qui te shoot là. Bah tu viens de prendre mid life. Ah, quart de life. Zéro life. Quel chien. Il est hyper loin en plus. Et t'as dedans. Allez, je me fiche de derrière. Il a pris 4, 3 shots de SLR, il est pas mort. L'énergie, il était 3, il est cassé. Tu sais que mon seul problème, il y a seulement de se lancer, et je peux toujours pas aller dessus. Oh, c'est chiant. Tu sais que là, si t'avais pas crash, on avait un easy AUG. Derrière, on avait un easy backstab sur des mecs. Ah, c'est trop chiant. Ah, mais ça me casse les couilles parce que là, voilà. Mon jeu vient de se relancer. Mon processeur, il est à 60%. La game est finie? Ouais, ouais. Je me suis fait backstab. Pète les couilles. Mon processeur, il est à 50%. Comme d'hab, quoi. Putain. En fait, tu t'es fait down. Je suis venu 13. Et bah, je me suis fait backstab à ce moment-là. Je suis sûr que c'est ce putain de Valorant de merde qui me fait bugger avec Castro. Terminé, Castro avec ton Valorant de merde. Voilà. Yo. Ah, yo. Vous êtes en game? Non. Toi, tiens, t'es réveillé. Ouais. C'est vrai. Et j'ai l'impression d'avoir mal à la gorge. C'est d'avoir trop sucé, ça. Bah, c'est. C'est dur, hein. Plein la bouche, plein les yeux. Bah, oui, c'est ça. C'est le cas de dire. Bon, du coup, on t'attend ou tu te chauffes d'abord, machin? Je vais les chauffer en QP en solo. Okay. Mais la personne n'est pas. What the fuck? Tire rapide, je suis 19 secondes, c'est bon. Solo man squad, niquez-vous. Mais viens avec nous en squad, ça va y avoir. Bah, si tu veux. Invitez-moi. On ira faire de la enquête du coup après ça. Ok. J'ai pas une prénote, mais. Dès que tu te sens chaud, et puis dès qu'on se sent chaud, quoi. Quand j'entends de l'outro de Sardoche, enfin des best of Sardoche, j'ai envie de jouer à Dark Souls, je sais pas pourquoi. L'outro de Sardoche? Pourquoi? Ça ouais, pas vraiment. Ouais, mais j'ai envie de jouer à Dark Souls.
C'est un psychopathe avec Dark Souls, Sardoche. Bon, tu me diras, fallait bien qu'il se défoule sur un jeu, étant donné qu'il était ban de LoL. Mais... D'ailleurs, il va être sûr qu'il est déban dans quelques jours là. Parce que son ban c'était le 22 novembre. Et vu que c'est un ban de 6 mois, qu'on est le 23 mai, ça doit être vraiment dans 2-3 jours, je pense. Il a été ban pourquoi cette fois-ci déjà? Pour self-arming et aussi pour avoir. En gros, il a commenté les Worlds de LoL et il avait genre 20 000 viewers. Et du coup, LoL, ils ont pas trop apprécié qu'il lui pique 20 000 viewers. Parce qu'il avait évidemment pas le droit et il avait pas les droits. Enfin, légalement, il avait le droit. Mais vu que LoL, ils ont été vénères, ils l'ont quand même ban de LoL. Du coup, voilà. Et alors, puis pour self-farming, non, parce qu'il a pas les droits de streamer la compétition. Non, mais il a pas streamé la compétition justement. Il a envoyé le timer de à l'endroit où il était. Et en gros, il fallait que tu cliques sur un lien pour voir les worlds, que tu coupes le lien des worlds et que tu écoutes juste son cast à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, ouais. Légalement, c'est pour ça que LoL, ils ont essayé de faire pression pour le faire ban de Twitch, mais ils ont pas réussi parce que il avait légalement le droit de le faire. Mais ouais, ils ont quand même pas, ils ont quand même pas apprécié et du coup ils l'ont ban de LoL parce qu'ils ont le droit de le faire. De self-farming aussi. Et pour self-farming parce que il a pleuré en live à cause d'une game, il s'est frappé, je sais pas ouais, quoi. Mais je crois qu'ils l'ont fait globalement. Techniquement ils ont eu le droit de le faire que pour le self-farming, mais. Non mais LoL ils peuvent ban pour ce qu'ils veulent. Hein. Un mec qui leur plaît pas, ils ont le droit de le ban s'ils veulent. C'est leur jeu de toute façon. Sardosh il est ban. Il est ban du chat du jeu jusqu'à la fin de sa vie. C'est un peu vrai. Ouais, mais là, il est ID ban. Parce que bon, il a été ban sur la pléthore de comptes. Mais là, il est ID ban. Genre. Sur n'importe quel compte, il peut pas quoi. Mais sur 4 ou 5 comptes, il est ban du chat du jeu, machin. Oh, je pense clairement plus que 4 ou 5. Ah, il y a un mec avec une arme devant moi. J'en ai pas. En bas, il y a un mec avec une arme aussi. Oh putain! Putain, mais y'a tant de mecs en bas! Mais what the. Pense mon jeu qui a 30 FPS, putain, quand je commence une game. Putain, calme-toi. Et allez, ça lag! Allez. Casse les couilles. Moi j'arrive en game, j'ai 30 FPS, ça me pète les couilles, hein, vraiment. J'étais full FPS. Ah bah Karakin. Micro. De quoi micro? Je souffle. Ouais. Ok. Ah c'est bon? Ouais. Respire. Je respire à peu près tout le temps. Là, ça passe bien. Ouais, c'est un peu chiant d'ailleurs. Je suis désolé. Je fais en sorte de plus pas trop de respirer, le faire. Des fois non. C'est pas sorcier. Non. Essaye un peu genre... Pendant 15 minutes, un truc raisonnable quoi, pour commencer. Ouais, voilà, mais c'est pas non, trop quoi. 15 minutes, c'est pour les faibles. Ouais, t'as raison. 1h15. Ça reste dans le domaine du raisonnable. Je sais pas c'est combien le record d'apnée. C'est 12 minutes, ou alors 11 minutes 50. Enfin, un truc autour ouais, de 12 minutes. Ouais, j'allais dire quoi. C'est plus de 10 minutes, mais déjà, t'imagines 10 minutes sans respirer. Non, mais déjà, imagine-toi tenir 3 minutes sans respirer, t'y arrives jamais, hein. Tu sans perds connaissance. Bah déjà, une minute, déjà, c'est déjà bien, tu vois. Une minute, c'est déjà long. Ouais, une minute, c'est déjà long. Moi, mon beau-père, je sais qu'il peut tenir 4 minutes, parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour ça.
Mais c'est celui que je connais qui tient le plus longtemps. En même temps, avoir le nez dans la schneck à ma mère. dans Allez, hein. Super! On l'a vu venir celle-là, Mais... Ah bah non, on voit pas du tout venir ça. C'est... Y a personne sous nous, j'ai l'impression. À part les bots, ils vont spawn juste après. Ouais, on va faire une game, j'ai fait 2 kills de bots dès le début, c'était sympa quoi. Pour info, les bots spawnent avec une arme. Ouais. Ils lootent pas. Elle apparaît au bout de... Bah je pense qu'ils lootent aussi. Parce que l'autre coup, tu te rappelles à Goroka? À Goroka, le bot il avait loot. C'est que c'est peut-être... C'était Putain mais par bot. Contre... Ah oui, c'est peut-être pas un bot du coup. Par contre, héros, Knight, vous aussi vous avez du ping du packet lost? Je sais pas si c'est du packet lost, mais j'ai des baisses de FPS, c'est très chiant. Y'a un mec en face dans le bunker. Quoi? Ok. Putain, j'ai avancé comme un. Balle, moi, tu me défends. J'ai avancé comme un début. Lui, il est chaud, hein. Il m'a mis fou tête, hein. Semble. Quoi? Mais il savait exactement que j'étais là. J'ai l'impression qu'il cheat, hein. Il est derrière le muret. Il est à gauche. Un autre gauche, ouais. Quoi? Mais bro, genre vraiment? Donc il est intuable. En plus, il prend pas un hit. Hein. Il prend pas un hit, le type. Il cheat. Allez, c'est bon, signalé. Regarde les PV qu'il a. Je lui ai tiré 5 fois dessus, le mec, je lui ai pas mis un hit. Bon, là-dessus, c'est parti du cheat. Par contre, toi aussi, du coup, t'as des pertes de FPS, Joachim? Non, j'ai du packet loss et de looping. Eh ben, moi, j'ai des pertes de FPS. J'ai 144 FPS, hein, y'a pas de soucis là-dessus. D'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour afficher ça? Dans Steam. Shift tab paramètre, non, je sais pas. Bah ouais, faut. Ah, je sais plus, moi je l'ai enlevé parce que j'ai désactivé l'overlay Steam. Faut afficher les FPS quoi. Moi j'ai désactivé l'overlay Steam donc. Donc je le vois plus, mais je le ressens quoi. Attends, juste dans un jeu. Non. Ouais, je sais plus où c'est exactement dedans, mais faut. Dans les paramètres ici. À gauche, je l'attaque en dressé. Voilà. Là, j'ai les FPS maintenant. Mais j'ai toujours pas les genre le ping et tout ça, je vois pas. Ça, c'est une game ça. Comment tu l'ajoutes ça, ouais, d'ailleurs? Quand tu vois le part de paquet, c'est vrai. C'est dans paramètres. Gameplay, non? Ça m'étonnerait. Non. Dans gameplay, statistique des bugs réseau. Statistique des bugs réseau. Ah oui. Activé. Mais c'est bon, j'ai. Je vais pas regarder moi mes missions. 4 boosts au total, ouais, bah ça va. Ça devrait pouvoir le faire. Et là dans le lobby j'ai pas du tout de perte de FPS hein. C'est que quand j'arrive en game quoi. Très sympa. Il se passe rien mais il se passe pas plus de choses que... J'ai 270 FPS. Moi j'ai pas activé. J'ai 140. Et t'as quoi comme carte graphique genre Kim? 2070. Ouais. Ah c'est vraiment mon alimentation qui pue la merde moi.
J'ai mis un... Non, pas Gatka en fait, ça pue la merde en squad. D'ailleurs, c'est quoi ton loot que tu connais bien, genre Kim sur Erangel? En squad. En e-sport, hein, je veux dire. Ouais, c'est pareil, j'ai joué Milta. On a joué quoi? Milta Power, George Honor, Inondé, Rozok, Yasna. J'ai déjà joué un peu. Ah, t'appelles ça Inondé la. Ouais, Venise. Ça, c'est Inondé, ok. Oui, on t'entend. Mais vous entendez bien le mec qui fracasse sur le mur au-dessus de moi là? Absolument pas. Je viens dans ta maison, Charles, parce qu'il y a un mec dans la mansion à côté. Ok, je vais en haut. Je te laisse M24 répondre. Oh, j'ai une 4x sur M24. Si je suis pas cocu, putain. Une berry là-haut, je te la laisse. Oh yes. J'ai une SKS pour toi. Elle est où la berry? Moi j'ai déjà une berry là, ici. C'est un SKS droppé avec, à la place de la bête. On s'est fait HE là? Ouais, voilà. Ouais, ouais. On s'est bien fait HE, j'ai bien pris les dégâts, toi pas. Ça c'est pour ça nous, ouais. Yes, quoi? J'étais pas dedans. Oh, il a mis la meilleure HE de sa vie. Il a quand même drop, il a eu 2 HE. Hein. Ouais, il nous rush du coup. En vrai, faut arrêter de spawn là-bas, c'est de la merde. Ah ouais? Le coin Ibiza là, c'est de la chiasse, hein. y a pas de loot. En vrai, y a du loot, non, mais. Hein, mais... SKS, mais tu peux pas traverser la route, tu peux rien faire. C'est pourquoi je joue, c'est chiant de traverser la route. On se fait souvent baiser. Quand y'a personne, c'est bien parce que voilà. Mais... Il est chaud, hein, il a mis juste la meilleure grenade de sa vie. Non, mais le mec a eu deux grenades quand même, genre c'est un fils de pute quoi. Le gars il push comme un sale. Hein. Mais ils sont deux. C'est bien, tu l'as fini au moins, sale chien. Et Liquid Drizzy. Aïe aïe. Par contre, j'ai pas compris comment tu t'es pris la chose aussi, Charles. Parce que moi, bon, elle était pile sur moi, elle était parfaitement timée, ok. Je pouvais mais pas l'esquiver. Tu sais, c'est le bug, c'est un peu les box buggés de la porte. Je sais pas, mais. Encore que tu prennes des dégâts, ok, mais tu meurs là-dessus, je comprends vraiment pas. Je suis sûr que ce bâtard lui est resté encore plus de grenades. Ouais. Voilà, hein. Ça fait bien plaisir. Un petit coup de balai au plafond? Non, je suis pas sûr de voisin. Un petit mot dans l'ascenseur. T'as qu'à aller l'aider. Bah ouais, ça ira plus vite. Éventuellement, il y a un moment où au lieu de taper sur un clou, tu te trompes quoi. Ouais. Tu lui demandes de tenir le clou sur lequel tu vas taper. Puis bon. Tu sais, l'erreur est humaine. Et puis je mets un coup de marteau dans le crâne quoi. Je comprends. C'est ça le truc, c'est ça? Non? Ou alors au moment de taper dans le clou, tu rates.
mais tu continues ton mouvement et tu vas lui péter le genou parce qu'un genou ça dure plus longtemps. Ah, que le crâne. C'est moins grave. Un genou ça dure plus longtemps, mais s'il est débrouillard, il peut toujours faire ses travaux. Ouais. Un coude, t'es sûr qu'il en fait pas. Et si je lui mets dans l'œil? Ouais, ça marche aussi. Un coude, pourquoi t'es sûr qu'il en fait pas? Bah, il a quand même besoin de ses mains en général pour. Et si tu lui pètes le cou, il a du mal. Le coude, il a du mal à utiliser ses mains. Sinon, tu lui pètes le cou, oui, ça marche aussi. Ouais, mais là, tu vas en prison. Bah non, mais c'est pas fait exprès. Monsieur le juge, l'erreur est humaine. Bah, tu iras pas en prison, mais tu vas payer toute ta vie. Même si c'est pas fait exprès. Faut pas jouer avec ces conneries, hein. De toute façon, c'est pas lui, c'est le marteau, donc. Bah oui, hein. C'est. Je crois que tu sais pas trop comment marche la justice, Joachim, parce que. Ouais. C'est pas lui, c'est le marteau, hein, clairement. C'est le marteau qui va payer toute sa vie. Hein. Ouais. Allez, en prison, le marteau. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il avait qu'à pas faire ça, ce con aussi. Hein. Con ouais, de marteau. Aïe aïe aïe. En plein dans les escalopes, t'es. Bon, où est-ce qu'on va? Vas-y, Joachim, tu décides. On retourne à prochain kick. Bon, du coup, cette fois, on va pas aller là, hein. Prenez pas le. En vrai, ici faut pas le prendre. Tout ça faut pas prendre, c'est de la merde. La merde en barquette. Et ça, c'est le coin Ibiza, t'appelles ça? Ouais, c'est Ibiza. Parce qu'il va toujours là, j'imagine. Ouais, c'est son endroit de spawn. Et pourquoi il y va si c'est de la merde alors? Parce que quand t'es tout seul, c'est bien, t'as du loot. Ah, c'est vrai qu'en sur Pochinki. Sur Pochinki, en tournoi, ils sont souvent tout seuls, oui. T'es bloqué. Là, tu vois, regarde, ils sont trois à y aller. Eux, si on prend. Si on joue bien, eux, ils sortent jamais de là-bas. Sauf s'ils arrivent à nous mettre de loin. Va là, hein. Tout le monde va là. Mais. Pourquoi? Parce qu'il y a une kid. Et le problème. Pourquoi? Parce que quoi? Oh, mais attends, il y a quelqu'un dans ma maison? Ah non. Maison à côté de moi. C'est moi qui me disais à côté de toi. Le truc c'est que c'est de la chiasse quoi. Il y a quelqu'un dans l'autre maison à côté de nous, chat. Ah ok. Ah ouais, j'entends. Dans la prison. Dans une prison. Ouais. Oh oui, la prison c'est à côté de moi, je viens de voir le monsieur. Un visu? Bah il est à l'étage là. Je l'ai vu passer. Moi aussi. Il a une Uzi. Il a Uzi pompe. Il a pris des shots. Il rampe. Là, il a chaud au boulot. Non, malheureusement. Il s'est sorti par devant. Qu'il est où? Il est sorti dehors? Je suis dehors aussi. Là, je suis dans le prison à côté de lui. Il est sorti, ouais. Je crois qu'il est sorti. Ok. C'est dommage qu'il soit pas resté assez longtemps pour qu'on l'explose. T'as besoin d'aide ou pas, Joachim? Je suis dans la maison bleue en face, je suis pas sûr. Bah tiens, allez hop. Hein. C'est pas lui. Hein. C'est pas lui. Je sais que c'est pas lui. Enfin, c'est celui qui a fait le full team, lui. Ouais. Ouais, il vient là vers là où j'ai pris une verpine bleue, y'a un mec. Ouais, derrière la maison bleue. Je vois. Ouais, j'ai vu, il a prone. Il traverse. Ok. J'arrive pas à le toucher, c'est horrible. Je le finis.
What? Ça a pas touché là? Ouais, c'est la touche là. Je suis si nul que ça, quoi. Ça va, frérot? Rien que galérer, hein. Les autres sont où, vous savez? J'ai lâché une scarelle du coup sur lui, si vous voulez. J'ai une scarelle aussi, mais j'ai bien le stuff que t'avais dessus. Ah, je veux bien la scarelle, moi. J'ai 50 balles, donc je vais laisser toutes les balles qu'il y a. Ouais, j'aimerais, je viens la prendre. Mais les mecs, y'avait pas d'armes en même temps, c'est facile quand même de faire un full team. Il y avait genre une AK, ils avaient pas d'armes. Effectivement. Le cadavre est dans la maison dans laquelle vous êtes. Ouais, il est tout en haut, faire les shots. Là, tu vois, le mec il a fait full team. Je l'ai white, il a jamais pu sortir de sa maison. Il va rester quand même des gens, non? Normalement. Bah, le lien. Il reste au moins un stemmate étant donné qu'il était juste knock l'autre. Ouais. Après, c'est peut-être un bot, on sait jamais. Non mais je veux dire, peut-être que son mate c'est un bot. Non. Pourquoi? C'est pas possible ça? Non. C'est sûr? Ah bon. Si tu le dis alors. Là son mate n'a peut-être pas loot ici. Peut-être ouais. Ah bah j'en veux bien. Dans ta maison là y'en a une? J'ai joué Beryl. Pierre tu veux la... Tout le 536 que j'ai sur moi? Carrément, moi j'ai Scarlet Beryl. Scarlet Il y a quoi là? Mini. Vas-y je veux bien le 5 du coup. Tiens tout drop sur le mec. Vous avez des trousses ou pas? J'en ai 4. Bah j'aimerais bien j'en ai 0. C'est marrant. Ah, j'ai juste casté de 8 pour moi. Oh, une 6x. Hop là. Ah, je veux bien, j'ai un. Attends, la poche. De quoi? Tu veux ma 6x? Ouais, j'ai un 6x. J'ai ce casse. Bah, je te filerai ma 4x du coup. Bah, viens me donner rien. Allez. Calme-toi, PD. C'est bien. Commence pas à faire comme une curieux. Tu me traites comme un chien. C'est faux. Apparemment, leur mate était pas là. On dirait bien. Alors, il campe. C'est vous la vitre? C'est moi la vitre, c'est moi la vitre. La miss, c'est toi la miss. Ouais, c'est moi la miss. Ça va les gars! 30 balles, 5. Ici, on s'en fout, je pense pas assez. Ouais, j'en ai assez. Encore 30 balles, dit 5, MDR. J'en ai assez de ce soin. Ouais, des MR là qui traînent. Ouais. Allez là, tu vois là, je te trouve une petite SLR. SLR, t'aimes bien? Je te trouve une SLR là-dedans. Bon bah, sinon il y a un cocktail Molotov. Sound, et ça y est. Ouais, papy. C'est un bot. Ça c'était un bot. Ouais. Ok. J'ai vu courir, j'ai su direct que c'était un bot. Ah ouais, j'ai entendu courir, moi j'ai... Oui, je dois faire ça. J'ai vraiment eu l'intuition quoi.
Et après bon il s'arrêtait en plein milieu du, de la route et il n'y a plus de doute possible. On bouge les gars. Ouais. J'étais AFK, il s'est passé quoi? Ah il y avait un bot. Il était juste en face de toi, je l'ai tué. Oh ce corps! Regarde, regarde le pont magnifique qu'il nous fait. Oh c'est incroyable. Yes c'est bon, ça va bon? Bah ouais. Ah yes on tient un 3 là dessus. Allez je drive by. Mais monte, voilà merci. Ouais. Putain, j'ai eu du mal hein. Est-ce que tu vois j'ai en ZDT? Non. Yes. Moi j'ai fait mon petit zéro dégâts pour le début de la game, c'est sympa. Moi ça va, j'ai eu un bot qui s'est suicidé sur moi donc T'as buté un autre gars non? Ah non c'est Jorkim qui l'a tous buté. LSR Jacob. Jacob. Je peux pas tirer. Oh, je l'ai raté. Bon, tu t'es pas arrêté? Ah non, parce que j'avais. Sinon, je mourrais si je m'arrêtais. Mais là, là, je viens de m'arrêter. Et je suis là. Ouais, il est ici, il a pépé bisous. Hein. Yes, il tue la merde. T'as pu le hard pit et le tuer avec ta mini. Il est au. Attends, attends, à droite. Un truc. Là ah, oui, d'accord. Il est à l'intérieur. Ici. Oui. Elle repique. Tu mets tes sous fond. Je me fous le boost. Je vais aller chercher. 4, je crois. Par contre, j'ai pas compris comment on avait pas tapé la. La shag du coup. De quoi? Je sais pas. Parce que logiquement, on tapait la shag et hein, on se crachait dessus. Non. Bah, je me fais la cheveux là. C'est pas un rebond dégueulasse. T'as droite, un mec. T'as gauche, je veux dire. Ma gauche. Y'en avait encore un autre à gauche, genre? Ouais, ils tombent tout le sang quand même. Mais vous êtes sourd ou. Non, moi j'ai. Mais en fait, le gars la mini, j'ai vraiment cru que c'était celui que j'avais knock. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder. Non, mais oui, mais si tu knock un gars et qu'il tire. Non, mais en fait, j'avais. Le temps que je me refocus sur le mec à gauche, c'était fini. C'était un connard en cacher un autre. Mais non, mais là j'ai pas compris. Tu knock un mec. Ouais. Mais il y a un mec au même endroit qui te tire dessus. Ouais. Non, mais en fait, j'ai cru, la mini, j'ai vraiment cru que c'était lui au début. Je l'ai knock. Et puis après, je me suis tourné vers l'autre et je me suis dit, mais attends, pourquoi il continue de me tirer dessus l'autre? La mini, elle t'a pas shooté avant, en fait. T'as shooté après que le mec. Et ben, ça s'est embrouillé. Voilà. Oh putain. Je me suis embrouillé. Tu confonds la droite et la gauche et le temps maintenant. Ouais, gros, c'est bon. Ça arrive. T'es en V3 derrière un rocher, quoi. J'ai vraiment pas compris comment la moto elle avait pas tapé la guitoune. Je pense que le sidecar a peut-être accroché. Déjà le mec on lui a roulé sur le pied, il est pas mort. C'est chiant, le sidecar on peut pas tirer sur le mec qui est à la gauche. Ça c'est trop dur de 1v3 dans cette position genre. Derrière un petit rocher de merde là c'est vraiment dur. Le mec Gitoun tu dois le tuer 100 fois. Ouais. Honnêtement. Ouais, le mec Gitoun tu dois le tuer 100 fois. Je dois le tuer. Du coup après logiquement tu joues à 1v1. Non 2v1. Bah non parce que l'autre tu l'avais knock. Oui c'est vrai. J'étais un noob, mais donc, il m'a... Joue à 1v1. Il m'a. Je l'ai knock, mais il m'avait laissé à 0 HP. Enfin, il m'avait laissé à très peu d'HP. Oui, donc tu joues à 1v1, mais t'avais le temps de te heal. Sûrement, ouais. Je me dis Nolande, mais. Bof, dit Nolande. Ça, c'est encore les premières games et j'ai pas eu beaucoup de fights et j'ai du mal encore à jouer là.
Vous allez où? Goroka. Goroka, let's go. Ouais. T'es, j'ai mon tapis de souris, il commence à s'user quoi. Ouais, ça va. Bon, après 2200 heures de grands coups de souris, il aime pas trop quoi. 2200 heures, t'as toujours le même tapis de souris? Bah oui, ah, j'ai le même tapis de souris depuis le début quoi. Ah, tu m'étonnes qu'il suce ton tapis de souris. Mais les mecs qui viennent sous nous, ils sont loin. On dirait des bots la façon dont ils lootent. Vous voyez, s'il y avait des gens sur nous, j'étais mort. T'as aucune arme? Ah, Uzi. Première arme. J'arrive pas à loot aussi. Oh, c'est... What? Oh, SLR sur Vikendi. Bon, j'annonce, hein, si il se fait knock, on le reste pas. Clairement. Ah ouais, c'est bon, c'est... Bah, c'est le contre-coup, SLR, c'est le contre-coup. C'est... Voilà, tu trouves une SLR, tu te fais pas reste, bon, c'est... C'est comme ça. Je ferais salaire quoi, non mais c'est... Je serais toi, je me ferais pas knock. Parce que malencontreusement, bon c'est vrai que quand on tire sur les ennemis et que t'es un peu devant, il y a moyen qu'il y ait 2-3 balles qui arrivent dedans et qu'on récupère la SLR juste derrière. Je dis ça, voilà. Le truc qui est con, c'est qu'en plus, je pourrais éventuellement t'envoyer une fumigène qui fait boum. Donc Ah oui. Une fumigène qui fait pas pshh, mais qui fait boum. Il y a un M24 ici, mais je prends une balle, je n'en ai pas assez. Ou alors la fumigène qui brûle aussi. La fumigène qui brûle, des fois ça arrive de l'envoyer. Ouais. C'est un peu random. Jamais, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bah, je me rappelle alors très bien d'être mort il n'y a pas beaucoup de temps sur Vikendi, pendant que je piquais un gars et que Charles, c'est, il avait essayé de lui balancer une molo, sauf qu'il avait fait clic droit et du coup ça avait balancé close de moi. Je m'étais déjà fait down, mais du coup tu m'as fini quoi. Oui, bah écoute, t'avais qu'à pas être là comme un con. Hein. Ouais, bah. Ça, c'est un bot qui vient de fight ou pas là? Oui, c'est des bots qui fight ça. Mais je vous laisse les fight, j'ai pas envie de faire knock, vous voyez. Ouais, c'est vrai que c'est pointeur 2. Ce serait mal en contre. Pour moi, c'est pas un bot, hein, il loot. Hein. Ah, il loot? C'est pas un bot. Pointeur 2. Non, c'est quoi le stuff que j'ai quoi? C'est que dalle, c'est insane. J'ai 30 balles de G36. Dans la maison là? Oh, ça c'est à ma droite ça. J'ai 36, c'est pas moi hein, qui vient de tirer là. C'est toi qui shoot là? Ah, ouais, c'est moi. Mais il est où le gars? Ah, mais il est là, attends, je te vois. Il a pris un body shot de car. Il a pas pris son deuxième shot. C'est un bot. Il est knock, c'est un bot hein. Boum. Et boum, hop là. Il est au niveau de la grosse maison. Pointeur 2. Ok. Moi je vais récupérer. Ah, ici, ok, à cette maison là. Oh putain. J'ai pointeur 2, je me dis, putain, mais y'a pas de maison qui est pingée dans ce zone. Très loin, ok. Y'a deux maisons là-bas. Ouais, mais j'avais pas vu qu'il y avait les maisons comme ça, tu vois. Joachim, tu veux que je vienne te chercher en moto et on va le push ou pas? Est-ce que ça te tente? Ouais, je le push, mais j'ai pas besoin de moto en fait. Ok. Bah, je suis pas avec toi là. Oh, une M4. Ça sera un lucky du coup si tu prends une petite molo dans le cul, bro. Ouais. Un truc, tu sais, un truc qui fait du feu là. Ouais, bah, la fumée malencontreuse. Y'a une ici. Quelqu'un veut? Ah, carrément. J'ai un car 98 sans. Bah, je te la pigne, hein. Pas assez de place. Sérieux, tu peux pas la prendre? Non, je peux pas la prendre. Okay. Pour le coup, c'est vrai, hein. Une 4X aussi, mais j'ai pas la prendre pour spray. Il y a aussi une trousse que je peux pas prendre non plus. J'arrive, hein.
Y'a pas un holographique par hasard dans ta maison, Charles? Peut-être, je sais pas. Il est toujours rouge Je sais pas, je l'entends pas. Je vais venir avec toi. Hop là. J'enfourche ma bécane. Il est parti. Il est parti. Si tu trouves un red dot ou une 2X ou un holographique, enfin quoi que ce soit qui puisse aller sur la M4, je dirais pas non. Bon, il y avait une 2X dans le truc. J'ai pas tout regardé. Oh merde, c'est un arbre. Oula, vous êtes con. C'est dans quoi ça déjà? C'est un NLT. Ouais. Je crois que c'est Madame Babochko. Ouais, ça doit être la NLT sur Madame Babochko. Oh. C'est sur toi, Charles? Ouais. C'est un bot. C'est un gros botard. Après, le motard, le botard. Les Beryl. Je veux son viseur s'il en a un. Un red dot, parfait. C'est rare. Putain, il avait du heal. C'est rare les bottes à la Beryl. Ouais. Tu voulais quoi, Charles? Peut-être la Beryl, je vais peut-être la jouer. J'ai juste pris le red dot. Je vais la jouer. Ah, tu veux que je te prenne Charles en moto ou pas? Il est où ce putain de drop, putain? Ah, y'a un mort ici, MDR. Bah, y'a que de la merde, hein. Viens, Charles. Oh, yes, y'a un M50, y'a un point rouge ici. On est vertical si tu veux, bro. Ah, ouais. T'as du set un peu pour moi? Non. J'ai que dalle en rab. Viens, machin, monte. Attends, je m'attends du set sur le cadavre, le mec. Si, tout en bas, je crois qu'il y en avait. Si, y'en a. Non, y'en a, y'en a. Hop. C'est incroyable, y'a un drop qui est tombé dans le coin. Il est où ce putain de drop? T'es sûr qu'il était par là? Bah ouais, il me semble que c'était dans ce coin là. Il me semble qu'il est arrivé dans un compound. C'est incroyable ça. Il y a Jean Mouloud qui fight en 115. Non, c'est Jean Mouloud, c'est pas Loud, Loud. Je reparle hein. Je sais pas où. Jean Mouloud. Tu crois qu'il est si près que ça? Bah, peut-être pas si près, mais il est dans cette direction quoi. Peut-être par là, je sais pas où. De là où on vient quoi. Ah, mais y'a deux mecs là! Ouais, moteur 2. Dans et le pâté de maison du coup. Ils ont trouvé le colis parce qu'il est en guilie blanche. Lui. Ah oui, effectivement. Ils sont 3 du coup. Et t'en veux ou pas? Je sais pas. Du coup, on va jouer contre du full T3, ça va faire plaisir. Avec bah toi t'as une SLR, tu vas pas te plaindre. Ouais, mais eux ils ont ici, ils vont avoir full T3 et tous hein. Non, y'en a un qui casse que deux, tu vois.
Je crois qu'il m'a vu. Je suis pas sûr. Dans quelle maison du coup? Le casque 2, j'aimerais bien savoir où il est. Il est passé sur la maison de gauche. Dans, oh, dans la maison bleue. 2 ouais. À gauche. Il est bleu maintenant. Oh, ah vraiment ouais, il y en a un qui est en train de flanquer à gauche. Je flanque par la droite moi. C'est même ça se reconnaît ça. Oh, y'en a un qui flanque tout à droite. Ouais. Putain il m'a knock. Oh mais ça me casse les couilles. Je suis une grosse putain de pute. Non, tu as pris. T'as Zabel ou pas? Je vais être derrière un rocher mais y'en a un qui était derrière là, par là bas. Qu'est-ce que t'as fait de si mal? Bah je le sais pas qu'il prend par là du coup je t'en... Ouais t'as fini. Tu peux flush hein. Knock. Je pourrais pas, je pourrais pas. Il est knock où? En bas, en bas. Dans le campant, ça décale. Y'en a un mec qui était full à droite. Ah ouais, ouais, lui c'est un génie. Lui je te jure c'est un génie. Un autre juste en face de moi qui sort de la fumée. À gauche de la fumée. Ouais, il m'a fini. T'as vraiment eu le temps de raise là? On a du mal hein. Ah, c'était 4! Ranked ou pas? Non. Ça sent pas assez chaud? Bah là on va en ranked, on se fait rouler dessus. On gagne pas la fight. Ouais c'est vrai. Oh merde mon bureau qui s'est encore décroché. Je vais pisser, je remets mon bureau et j'arrive.
Je viens de me donner un coup avec mon casque, c'était très sympa. Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise Itero pour investir dans des actions sans. Pense, fais gaffe si tu tapes un gendarme, tu vas prendre une amende. Allez, j'ai raté. Oh. Vous êtes tous là ou pas? Ouais, ouais. Charles, t'es là? Non, je suis pas là. Ok, super. C'est parti alors. T'es pas là. Où c'est que t'es? Vous voulez aller où? Bah, Charles. Ça va bien, mais ça va pas te plaire. Super. Non, mais super. On voit l'ambiance, quoi. Ouais, il y en a déjà qui ont ouvert le parachute. Ah mais c'est incompréhensible, Karakin. Les parachutes, c'est incompréhensible. Non, mais il y a des mecs qui ont ouvert le parachute ultra haut. C'est, ah oui c'était très bizarre. Il y a un mec juste à côté de moi. S'il a une arme sur toi, je suis mort. Déjà, oh, il y a un mec qui est sur moi. Bon, bah, il a une arme sur toi, je pense que je suis mort. Ok, ça passe. Fais gaffe sur là, je vois qu'il y a un mec. Je suis alone ou pas les gars? Ouais, je crois que je suis alone. Ça me push. Moi, ouais, autour de tout. Non, mais dans mon bâtiment, je crois qu'il y a quelqu'un. Pas sûr. Un knock dans le petit truc de merde que j'ai ping. Je t'appelle de moi. Il y en a un dans le grand hangar à gauche. Un Kenok dans le. Nous deux, bro, y a, dans la maison entre nous deux, il y a un mec, gros. Ah, je sais. Il pique de toute l'air. Ah, j'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus. Ouais, c'est les neuf, lui. Il est resté un dans la maison entre nous deux. Quoi? Aïe aïe aïe. Bah, je suis mort. Il a réussi à reste le premier que j'ai knock. Hein. Ça c'est 100% sûr. Non, il est en train là. Ah mais il est dans ma maison lui. Ah bah très bien, merci beaucoup. Non, il y a l'autre à la carte. Putain, pourquoi j'ai reload comme un con, j'aurais dû rentrer direct. J'ai mis mon truc. Ah, c'était notre team. Ok, d'accord, c'était notre team. Il y avait deux autres teams qui étaient sur nous. Il y a deux teams sur nous. Donc là, il vient de finir celui que j'ai first knock. Ok, d'accord. Putain, on arrive rien à faire. Hein. Là, c'est ça, j'ai un. Oh là là, je l'aurais bien à vous de faire.
bah non, ah bah alors là, non, non. Oh, oh cette game! Bon, allez, fais une bonne game là. Ça pourrait être bien, ouais. Vous avez déjà vu un postillon aussi gros que mon doigt? C'est la taille de mon doigt. On va où alors? Allez, on se concentre là, on fait un bon vous truc. Voulez. Ça peut être bien. On fait un bon truc, on est bon et on go en quête. Comme ça, on déglingue tout le monde. Vas-y, go, Castle. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Il y a personne. Les gens ne seront pas butés au spawn comme des merdes. Il y a un mec qui est loin derrière nous, vous le voyez en... Ah ouais, c'est un bot. En 10, 15, il y a deux mecs du coup qui sont un peu random. Je vais tenter de le shot hein. Bon, il a pris deux shots, trois shots, quatre shots. Enfin, trois shots je veux dire. Quatre shots maintenant. Ça va là? Il est knock. Dead. Putain. Tellement de shots avant de mourir, c'est incroyable. Incroyable. Je veux pas voir dans un sac à dos, s'il vous plaît, le jeu. Il y en a un T2 sur la petite... Ouais, mais ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir le petit pont là. Ma zone de loot en fait. Oh, des bots qui se battent. Pas sûr. Il y a une 4x ici. Qui est ping. Que je laisse à. Ok. Qui veut. Moi j'ai pas d'arme de loin donc pour l'instant ça servira à rien. Plein de stuff que je voudrais prendre, mais je peux pas. Ça me tilt. T'as du 5 en rap, Charles, ou pas vers toi? On a plein dans mon truc, mais j'ai envie de prendre les trucs pour m'intéresser, c'est-à-dire en fait, à peu près toutes les grenades et tout ça, quoi. Ici, il y a même 24. Oh, bah, là, il y a plein laisse. De 5. Ok. Je n'ai pas ramassé. Il y a 24 derrière, Charles. Okay. Le 5, je vais en chercher. T'es déjà parti toi? Ouais, bah je suis stuff. Je cherche le mec qui tire là. Moi aussi c'est bon, je suis stuff. Moi je suis à la recherche de sac à dos. Bah je t'ai dit où il y en avait un. Mais je sais pas où il est où là. Sur le, truc là, sur là, le petit ponton qui arrive au bâtiment de droite. J'ai eu plein de balles, plein de smoke, plein de HE, je vais même pouvoir les prendre mais je pourrais pas. Non mec, c'est contre ta mère aussi le jeu. Ok, il traverse derrière le gros truc orange. Ouais, le point orange. Derrière le gros rocher. Des okay. Boissons, des anti, je pourrais rien prendre parce que j'ai pas de place. C'est pas grave, tu retrouveras sur les mecs qu'on va buter.
Bah c'est juste au-dessus de toi si tu veux savoir les boissons, les engins. Ah j'ai un sac à doter ici. Non mais Osef. C'est largement assez pour survivre à un fight. Et ensuite après le fight, genre est-ce qu'ils ont en plus. Du coup il est vers toi Jarkin. Ah bah. C'était un vrai gars ou pas? Je sais pas. Mais il avait un casque en tout cas. Il y en a peut-être plus trop. Les bots ont pas toujours des casques alors je sais pas. Comment les bots ont pas toujours des casques? Sur le cadavre, là, pile sur là où je suis, Charles, il y a deux trousses si t'as besoin. Je sais pas s'il y a un sac, oui, je crois qu'il y a un sac. Oh, Tony Montana TV, je le connais. Je sais plus s'il est chaud. Oh mais il y a une mini ici. Je la prends direct. Il y a une SLR à côté. C'est incroyable. Je viens de trouver un cabanon dans lequel il y avait mini SLR. 100 balles. Hein. Aucune balle dessus. Mais mini SLR. Hein. C'est ouf. Incroyable. Le petit cabanon. Mais je pense que c'était le bot. C'est pour ça. Bon bah du coup Charles t'as le droit de pas nous raise si on meurt. T'as cassé T3 en plus hein, seul chien. Ah t'es full T3 toi en fait. Non j'ai un Kevlar T1. T'arrêtes. Oh ça shoot. C'est pas Vosto là? Ouais. J'ai entendu le chef. Oh bah un Kevlar T3, c'est bon je suis full T3 Charles, je rectifie. T'arrêtes hein. Je suis même pas full T2. Dis-moi quoi T2? Ça shoot dans Pot Vosto, ça sert d'être par là. Moi ça me shoot, je sais pas d'où. Ah oui je vois, derrière le bâtiment à droite, bâtiment jaune à droite. Tu vois le gros bâtiment jaune long là? Il était derrière à droite. Il y a deux mecs qui vont traverser la route. Il est knock. Nain qui est derrière le rocher. Knock et il y en a un autre qui arrive. Deux mecs qui traversent la route, pointeur. Ok. C'est Tony Montana, les types. Putain, il tombe jamais! Pète les couilles! Mais quoi, mais il est où? Mais putain, on est mort. Putain, bon, moi j'ai foutu d'un. Qui est Resable? Bon, je suis en plein milieu, mais un mec qui est close. T'es pas Resable du coup? Ouais, il est au-dessus de nous là, il est là. Allez, ils sont deux, ils sont là ici. Ah, oui, chut. J'ai besoin de ça. Il est même holo. Les deux mecs que je te dis. Oh, c'est deux mecs. Oh, tellement lourd! Il est quand même. Tony Montana, putain, j'ai réussi un dans 3. J'ai le seum. Peut-être focus celui qui était au-dessus de moi à ta place. Il était bien plus proche. Ouais, mais celui à gauche, il m'aurait full backstab. Ouais, mais... Sur le dessus, j'étais pas sûr qu'il puisse me voir à l'endroit où j'étais, tu vois. J'ai pris un pari. Moi, je veux pris le pari. Mais yes, je me suis fait backstab. Il y a un mec, j'ai mis 2 shots au M24, il est pas mort, je comprends pas. Il s'est même pas heal, hein. Il a pris 2 shots au M24, il est pas mort. Je dirais que le niveau il est remonté là en squad. Alors
clairement non. C'est juste nous qui sommes venus lâcher. Oui. D'accord. Très bien. En l'occurrence, Tony Montana, ouais, quand il me tue, le premier, je lui mets 3 hits de SLR, le deux, et lui, je lui prends 2 hits de SLR. Moi, je mets 2 hits de 24 sur le même mec, il meurt pas. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Bah, agilité de full life. Sur un mec qui est full life, 2 hits de 24, il meurt pas. Hein. Non mais c'est impossible ça. Gros 2 hits de 24, ça one tap, ça tue pas. Faut 3 hits de 24 pour tuer un mec. Bah ça dépend, oui. S'il est full life avec un Kevlar T2 full life, il faut 3 hits de 24. 37 de dégâts, 24. Avec quel Kevlar? 2 je crois. Voilà. Donc il en faut 3. Ça fait 51 avec un Kevlar 1. Ça fait plaisir. Hein. Malino. Attends, j'ai le seum. Après là, pour moi l'erreur, c'est que vous avez couru sur Podvosto. Alors que juste avant, mes mecs, justement Tony Montana là, ils se fightaient juste à notre gauche, close à nous. J'ai déjà entendu ce... Moi non plus. J'ai absolument pas compris qu'il y avait des gens là-bas. Hein. Non, non, il tirait quand vous faisiez mumuse avec votre voiture. On faisait mumuse avec notre voiture. Ouais. En gros. Ouais, quand tu faisais mumuse avec la voiture. Ouais. Quand perso, quand je suis allé chercher le SLR, il tirait. Hein. Tony Montana et tout. Ah ouais. Vous voulez aller où du coup? Tout pareil. N'importe. On va à Dox. On a très peu de chances de sortir tous en vie hein, de Dox, mais on va tenter le coup. Hein. Il y a au moins une team avec nous. Oh mais putain, je suis allé beaucoup trop loin. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins 5 personnes, peut-être un peu plus. 6. Au moins 6 donc. 6 personnes. Y'a un mec dans mon hangar. Je pense que je meurs. Allez, ils sont 4 sur ma gueule, gros. Je pensais pas, moi j'avais vu le ping de Charles sur moi, je pensais que j'allais être 2. On allait être 2. Bah j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un meilleur loot que moi, je vais non. Tu devrais pas loot autant, Charles. Hein. Si tu peux passer.
Il y en a deux qui arrivent du bateau. Wow. Vraiment. Il t'a instant headshot gros. C'est quoi ce qu'il a mis ça genre? Ouais t'as mis headshots. Mais gros c'est n'importe quoi, enfin c'est marrant. On est 30 DM, c'est plaisir. En droite il bouge et plus vers la gauche. Il y en a un contact à moi. Ok. Deuxième, pareil, au bout du hangar. De knock. Oh! Et il a pris au moins deux shots de M4. Juste derrière les petits trucs de bidon. Ouais, voilà. Hop, tente sur moi. Nice. Non. Hitler 1990, il s'appelait celui que t'as tué, Charles. Je peux le report, je le ferai. Ils sont tous venus là, ces bâtards. Ouais. C'est pas de stuff, c'est insane. J'ai vaincu BU là-haut. Ça vous dérange si je vais faire une solo en attendant ou pas? Oui. C'est faux. Ça dérange personne? Je vais faire une petite solo en attendant alors. Continuer à m'entraîner. J'ai pas de boost. Y a pas un compensateur de. Ah, j'ai pas de viseur du tout. Ça va être sympa. J'ai un holographique pour deux armes. Attendez, je vais le remettre quand même là. Je l'ai remis ici. Oh non. Punitif quand même. C'est punitif quand même, je veux dire ça rigole pas. T'as pas droit à l'erreur, je veux dire le jeu il te pardonne pas. C'est très punitif hein. Ok. Je m'attendais quand même à un taux d'erreur acceptable, mais en fait il accepte rien quoi. T'imagines le petit enfant qui vient avec sa maman au bord de ce petit lagon, ce petit, tu sais, dans le parc. Maman, maman, on va voir le mérou. Il est là normalement, il y a un gros mérou qui habite tout seul ici. Devant moi, y'a un mec qui court. Alors, instant. De où? À côté de la guitoune.
D'ailleurs, la Guitoune, il est. C'est un bot. Hein. Ah. Il vient de prendre une balle. Il s'est fait énorme là. Ouais. J'ai pas de boost. Par des mecs. Qui j'ai vu, j'ai vu. Ouais, j'ai vu le mec down, le bot. Des deux mecs qui sont 20 devant moi. Ah, je n'ai rien de se blesser. Cherche. Yes. Il y en a qui a pris un shot de QPU. Heureusement, c'est compliqué. Je suis dans les maisons, tue-moi. Il est où le mec à ta gauche? Big à gauche. Il est low HP. Il y en a qui passe derrière toi. Ouais, mais je peux rien faire. Je suis encerclé. Oh non, mais c'est bon, gros. Genre, ils sont fous, je suis sûr. Putain, c'est petit ça. Ah, vous avez fini du coup? Bah, ouais, genre les mecs avec des scopes et tout ça, ils étaient 4 aussi. Moi, je vais me suicider sur les mecs, j'arrive. Full T2 avec un T3, allez, c'est bon. J'arrive. Je suis là. Hop. Parce que tu m'as invité, c'est bon. Et là, on est dans le cercle vicieux du sel. On n'y arrive pas, donc on sel. On sel, donc elle n'y arrive pas. Ah, ranked direct, ok. Je suis d'accord. Investain, Investain player, yes, il est là. Ok, maintenant je cours. What, la vitesse? Non, il s'en sort pas le joueur. Non, c'est trop. Ah non, il s'en sort pas, il s'en sort pas. C'est vrai, la beurre est arrivée. Oui, bien sûr. Merci beaucoup mon frérot. Merci pour les 8e mois. Inch'Allah, Polo il gagne. Inch'Allah. Mais putain. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on peut jouer comme spo? Ah vas-y. Alors du coup, on est en ranked, tu lead comme d'hab du coup? Ouais. Let's go. Tu veux qu'on joue quoi du coup? Je suis en train de réfléchir. On va jouer Fairy Pier. Fairy Pier, ok. Plus on est que 3 donc. En gros, on va jouer comme ça. Ok. Bah je vais point 3 du coup. Oh, ça va faire bizarre de dire devoir dire bleu. Pour moi. Si t'es contest, tu reviens avec nous. Ouais, ouais, ouais. En priorité, vous jouez les véhicules. Ouais. Ok. On essaie de trouver un véhicule. Ouais. Qu'on soit contest ou pas, on joue les véhicules en premier. Moi, je vais checker ça. Pour voir s'il y a des véhicules. Et si j'ai qu'un seul mec qui conteste, je viens quand même vers vous ou je le joue? Ouais, tu reviens. Ok. Zéro véhicule en visu. Non plus. Absolument aucun.
Y'a personne vraiment, qui. Là. Ouais, moi non plus, hein. C'est incroyable. Y'a au moins 3 teams à Primorsk. Minimum. Peut-être plus. Militari, de toute façon on va prendre le bateau pour y aller. On va looter assez vite. On va bouger assez vite. On part à combien du coup? À 1,50, faudra qu'on bouge. Ok. Ah, c'est Vasco Primorsk. Ok, team Omeken. Dans la game. Omeken, ils sont pas si forts, je les mange quand ils veulent. C'est même plus toi qui veux. Bah c'est pas génial moi mon loot. On se relootera là-bas. Ouais. J'ai mis une cicatrice avec AK. Moi j'ai Beryl VSS. Sans viseur. Ouais VSS, ah ouais. Ah ouais. Ah bah j'ai M4, ouais, je peut-être pas si je prends M4. Faudrait bouger les gars. Ok. Ah ouais. J'avais pas vu. Un petit cache-pomme ici. Ok, ready to go. Moi je prends un bateau si j'en ai un près de moi. Moi aussi je vais le voir. Mais faut que t'en aies un vite quoi. Ah j'en vois un. Vous allez en bateau aussi? Ah ouais, ouais. Vous en avez un, j'imagine. Moi je sais pas si j'en ai un. Je vais voir. Putain mais mon perso il veut pas monter sur le putain de truc de merde là. T'as un bateau toi, Joachim? Ouais, y'en a deux. Il est où l'autre? Y'en a un qui est là. Du coup on va où? Ah oui je vois. Ah ouais carrément. Mais quoi? Caresse caisse. Ok. Moi j'ai Akaimi. Je vais prendre les caisses. Vous avez un red dot, un holo, une 2x? J'ai red dot 2x. Y'a un droit clem 4.
J'arrive du coup. On va où du coup? On va se rapprocher du pont. Ok. On va bridge camp. Alors la SKS, où est-ce qu'elle est? Ah ben, elle est là. Trouvée. Moto qui part. Il est à droite. Je suis pas tout de suite avec vous, mais j'arrive bientôt. Je suis en train là. Il est sur le pont. Il est sur le pont, on est d'accord. Ah, il est sur le pont, il est sur le pont. Droite. Dacia. Ouais, je vois, je vois. Il est saut dedans. Tire pas, tire pas, tire pas. Tire. Il sort des maisons, il sort des maisons. J'entends. Il va aller rejoindre ses potes au pont. Il vient vers nous. Moto qui arrive. Elle arrive pas du coup. Moto. Je me fais shoot. Je suis obligé de bouger. Je me fais full shoot. Il est en dessous le pont. Pingé. Ok. Allo, tu l'as en face. Ouais. Ah ouais, mais moi c'est la merde, hein. Je vais mourir, je pense. Faut pas rester là, faut remonter. Ah, mais je peux pas ne pas rester là. Malheureusement. Aucun problème, droite. Quoi, il me shoot à travers là? Aïe, ouais, je pense que je meurs là-dessus. Oh la poêle, elle a pris au moins 3 shots. Oh, c'est incroyable. Headshot. Ils sont donc sur la colline en face, j'imagine. Il y a toujours un qui était à notre gauche en dessous, hein. Le mec. On va continuer à bouger, faut pas qu'on reste là. On continue, okay. On va continuer par le sud. J'ai le seum, il avait une 4x le gars que vous avez tué. J'ai pas pu la prendre du coup. Ouais, bah moi aussi j'aurais bien vu toutes mes bonnes paix. Ah, on pouvait clairement pas le loot. Hein. Ah non. Oh bah. Il nous push hein. Il nous push là vraiment? Il nous push totalement. Juste devant moi la moto. Buggy. C'est à nous, Buggy. Il s'est arrêté le Buggy. Ok, non, il s'est pas arrêté. Lui, par contre, nous pouvons le loot. Si vous voulez. Il est où? Je vais le chercher. Gun Pampa là. Ah là, ici, ok. Il y a un viseur ou pas? Pas. Pas un truc de fou quoi. J'ai joué SKS parce que j'ai tenté une mini bro du coup. Si t'as assez de balles, je veux bien, ouais. Je drop 100 balles avec. Nice, nice, nice. Tiens, je t'ai filé des balles moi aussi. T'as pas un chargeur XXL par hasard de DMR? Non. Je t'ai vraiment pas repousse-pousse à côté. Tu veux bouger vers où du coup, Jorkim? On va continuer par le sud. Ok. Là, notre but c'est quoi? Tuer tout ce qui vient sur nous. On va être au milieu de la zone, donc faut tuer tout ce qui vient sur nous. On va ici. Il y a un air droite qui est pas loin aussi d'abord. Yes. Franchement la poêle, tu sais que ma poêle elle a tanké au moins 4 shots hein, quand je remontais la colline. J'ai vraiment eu chaud au cul. Clairement le drop c'est pas ma priorité. Ah ouais, on s'en fout. Il y a un autre avion qui passe au-dessus. Il y a donc juste derrière. BRD. Ouais, le flare gun. Vu qu'ils ont mis le flare gun en ranked, il est en e-sport aussi, non? Non, 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 il
export toutes ces merdes là, c'est interdit. Veggie en dessous de nous. Veggie l'a redémarré. Ok. Ce qui est mal, c'est que le drop il est full open. Si quelqu'un veut le chercher, il est mort. Tu le vois où? En 170. Ah oui, juste en dessous de nous, ouais. Si vous voulez. Tu la prends ou pas? Non, bah non, j'ai pas. Tu peux me la prendre? Non, j'ai pas la place. Ouais, j'arrive alors. Dans ton bâtiment là? Ouais. C'est trop. Y'a aussi une boisson et une trousse en haut. Prenez la visite tout autour de vous. Ouais. Je vais aller jouer le colis. Ok. Tu peux le couvrir? Moi je vais regarder de l'autre côté. Entre les 4x. On va jouer le colis. Y'a des mecs. Pointeur. Ils shootent dessus là? Ouais. Ouais, je les shoot aussi. Pointeur jaune. Ouais, jaune. Ils sont sur jaune près de la route. Non, qui a un arbre. Quoi, mais. J'avais plus de casque. T'es knock? Ah merde. Ouais, je suis knock. Il faut que tu me drops une fumée. Putain, j'ai pas de casque. Bah, j'ai plus de casque du tout, yes. Et où par contre? Je raise. Yes. T'as plus de casque du tout là, du coup, Charles? Ah non. Plus aucun. Ah, je vois. Aïe, 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 aïe. T'as pas là, elle retanque un coup. Hein. Ouais, ouais. Du coup, je vais prendre lui qui est au-dessus. Il a pas l'air mauvais, le monsieur. Il faut pas repique ce genre de choses, Zorkim? Non. Ok. Ah, t'as pris la trousse et le truc? Faut le surveiller de temps en temps, mais faut pas repique. Il a pris 2 hits. C'est dans un endroit où il peut clairement pas me voir dès le début. Donc, ouais. Je me fais shoot d'en face là. La SLR, c'est moi qui shoot. Je vais voir côté edge de la zone. Merde. En plein solitaire la zone, vraiment. Ouais, ça ouais. Shoot derrière nous sur la rive. Je vais checker avec toi. 45. Ouais, sur la rive. Ouf, t'es dans le mal, Joachim? Non, c'est bon. Il y a du monde dans le poterain, du coup. Ok. Ils vont casser les couilles, eux. Ceux qui shootent là, je les vois pas. Ils sont pile derrière les armes pour moi. Ouais, moi les Keblo, ils ont pas le droit d'arriver en zone. Ah oui, je les vois. Il y en a un qui est vers la grosse citerne pingée. Elle est pas pingée, j'ai pas réussi à pinguer. C'est en 200, la grosse citerne rouge, il y en a un qui est là-dessus. Contact à moi, sur moi. Nickel. Oh, Coyote! Je le vois derrière un rocher. T'as fini? Ouais. Ah bah. Il est derrière un rocher en 300. Restez pas là. 340 derrière un rocher. Il passe derrière un rocher. Il passe derrière un rocher. Reste pas là. Eh oui. Ouais, my bad. Mais... Je peux pas te fumer. Oh, mais oui, là faut pas. Là faut prendre la cover. Là, cherchez pas à prendre du pic. Faut prendre de la cover, les gars. Voilà. Là, du coup, sur point 3, il va vous push. C'est lui la priorité. Les autres derrière vous, vous en foutez. Ils vont pas venir vers vous. Là je suis, c'est bien. Ouais. Il était derrière ce rocher là. Tarpic. On aurait pu t'aider à pas mourir là ou pas?
n'a rien fait de mal par rapport à ça. Non, non. Du coup, je regarde côté là, nord, Charles. Hein, là, faut que vous alliez chercher la moto qui est point jaune, parce qu'on l'a pas pris. Ok. Allez loin, faut vraiment qu'on aille jusque là-bas. Ouais, il n'y a pas le choix. Ok. À pied, vous êtes mort. T'as combien de boost, bro? J'ai une boisson. Ok. Moi, je crois pas mal de boost. Je vais casque. Ça te shoot? Non. Il y a une Dacia sur le milieu de la route, à droite. Ouais, c'est celui qu'on a tué, que j'ai tué tout à l'heure. Il doit être par là, la Coyote, non? Ouais, il est peut-être déjà passé. Sauf qu'il a pris la moto. Non, non. Moto. La moto, elle est censée être vers nous. C'est moi qui me fais shoot là. Si je me rappelle bien, elle était partie par là. Non, c'est bon. Là, il y a le cadavre, donc la moto est juste devant. Attends, je me prends une boisson et let's go. T'es full open, t'es full open, t'es full open, t'es full open. Ouais. Oui, oui. Le mec, il t'a tiré dessus, toi. Hein. Ah bon. Là, vas-y. Faut que vous alliez point. Non, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Là, vous faites tirer. Faut pas aller où vous faites tirer. Faut passer le full de l'autre côté. Passe encore plus. Passe plus à gauche. Plus à gauche. Plus à gauche. Ouais. Voilà. Là, t'es bien. Stoppez-vous là, stoppez, arrêtez. Voilà, vous êtes bien. Ils sont aux arbres. Allez, tuez-les. Ils ont pas le droit d'entrer en zone. Oh merde, putain. Contact déjà. Là, déjà un contact. Ouais, j'ai vu. Franchement, yes. Ouais, moi aussi. C'est chaud. Je suis sur la gauche. Oh yes, j'ai pas vu. Yes, ça me casse. Je vais flush, instant, flush, prends les kills. Ah dommage. T'as que ça à faire de prendre les kills. Ah dommage, il m'attendait pas là. J'aurais dû flush instant là. Bah tu pouvais pas, mais t'es obligé de recharger, mais t'avais que ça à faire. Alors par contre, quand vous prenez la moto, si vous faites tirer dessus de la droite, faut aller à gauche. Pas la droite. Oui, non, mais c'est. Je cherchais le point en fait. Bon, on apprend encore, hein, les pas. Et pas des pros, quoi. Mais merde, je suis devant lui. Mon arme ne tirait pas. C'est juste caca des fois. Mais mec, je me suis mis devant lui. Très bien. Une seconde. C'est pas un cheval, ça, t'es au courant, j'espère. Alors, c'est bien de l'avoir remarqué. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis désolé, mais nous n'enregistrons que les chevaux dans cet établissement. Il a capté quand même. Captain Obvious. Le retour de Captain Obvious. Non, mais bien vu de sa part quand même. Hein. Il a été. Bon, après, c'est ce qu'on pourrait appeler du racisme, mais ça me dégoûte. Au revoir, monsieur. Oh là. Un tout petit peu trop tôt, je pense. Parce que c'est pas un moment, il va full régène. C'est pas son plus gros fort. Donc là, il est dit, normal. Moi qui retravaille. On va refaire pareil. Tout pareil, ok. Oh non, c'est pas en vendre des... Attends, quoi ? Des véhicules.
battu sur ma dernière auto-attaque, mais au moment de l'auto-attaque, il a levé le... Ah ouais, mais non. Non, il y avait un hélico, je l'entends même pas, gros. Et il y en a un qui a pu monter, du coup, pour le poids. Je comprends pas qu'on entende pas cet hélico, là, les gars. Ferry Pierre, du coup. Ok. Charles, t'es là? Ah, c'est dommage parce que vous aviez fait le bon move, vous auriez pu les tuer. C'est dommage. Mais avec tout le stuff, là c'est quoi l'erreur qu'on a fait quand on aurait dû les tuer? Charles il retourne d'où tu viens et du coup il se fait knock bêtement. Bah si, je me suis pris une HE comme un con, je l'ai vu et. Ah, ça qu'ils nous ont balancé tout leur stuff dessus, c'était après, chaud pour nous. Là après vous avez pas de. Vous avez pas fait d'erreur en soi. Le premier knock arrive un peu tôt, ce qui est dommage. Parce que, mais après, toi tu joues bien quoi. Tu prélèves deux joueurs, ben tu les knocks, t'arrives pas à les flush. Mais... C'était plutôt pas mal. J'ai un nuage. Moi j'ai rien du tout. C'est quoi ce bout de route où je mets rien? Même pas regarder si on était contesté ou pas. Yes, je suis un connard. C'est encore une military, mais là on va prendre. On va bouger assez vite. On va prendre le pont. Moi j'ai peut-être même traversé. Encore une military? Ouais. Okay. J'ai traversé quasiment instant. Et là je sais qu'il y a personne qui est military parce que l'avion il était trop loin. Pour y aller. C'est vrai, on va pouvoir aller prendre des bonnes positions. Non, moi c'est pas ce que j'ai dans mon pâté de maison. Ah, moi j'ai. Ferry Pierre, votre tout, il a l'air d'être mieux que là où je suis. Hein. Ah bah bro, là je t'avoue que j'ai fait une grosse maison. J'ai... Mais j'ai fait un seul bâtiment. Ouais. J'ai fait que le bâtiment pompier à côté du pont. C'est tout. Ouais. Du coup, moi je traverse déjà. Faudra que pareil vers 1h50 vous partiez aussi. Et du coup, quel est l'intérêt que tu le fasses sans nous? De sécuriser la pause. Ok. Tu vas partir en scout, quoi. Je suis le porteur de trousse, hein, si quelqu'un veut. J'ai déjà cette trousse. Mon air se résume à M16 et puis j'ai mis à côté donc j'ai une spirale. J'ai ce qu'est SM4. Spirale mini avec 4X. Ils sont trop un viseur mieux que Red Dot. Je prends pour ma SKS. 1,50, donc faut qu'on bouge maintenant là. Ouais, faudra me rejoindre. Ok. D'accord, oh putain, encore deux trousses. Tu viens me prendre du coup, Pierre? J'ai pas de voiture, moi. Ouais. Bah, viens vers moi, comme ça je te prends le plus vite possible. Et puis... Non, tu le prends. Il se met dans un endroit facile à te prendre. Ou tu veux... Mais il doit pas se rapprocher de moi pendant que je viens vers lui? Non. Ok. Parce que là, s'il se rapproche de toi, il est plein open. Ça sert à rien. C'est vrai. Tu veux une cartridge, Pierre? Oui, carrément. Pas de casque dans cette game là? Je fais que des casques. Non, pardon, c'est vraiment. Premier casque. Okay,
Mets-toi sur la route, Charles, parce que là, il faut que... Regarde la 4X, moi j'aurai des trousses pour toi. Bon. Sérieux, il y a un buggy juste sur la route, là où je suis. Là où je suis, il y a un buggy. Hein. Ah gros, je l'ai pas vu. J'ai vraiment scout, j'ai vraiment ici en plus, j'ai vraiment scout. Bah, gros, je vais prendre le buggy. Hein. Ok. On va dépêcher. Ouais. Là, il peut déjà y avoir des gens sur le pont. Ça fait très longtemps que je suis passé. Les premières équipes, elles ont déjà en rota. On a rota trop tard là. Pourtant, à 1h50, je suis parti moi. Ah, je suis parti de ma maison à 1h50. J'aurais peut-être dû démarrer la voiture à 1h50. Ah bah bon, ça fait 1h50. Et t'es toujours pas là. C'est vrai. 1h50 pour traverser tout. C'est vrai. Ah voilà, je suis sorti de ma maison à 1h50. Ensuite, tant que j'aille à ma voiture, que j'aille. Ouais. Bon, y'a personne sur le pont. Du coup, on campe ces maisons-là. Ouais, c'est là. Il y a encore une munition. Ouais, je veux bien. J'ai tellement envie de te mettre une tête. Au buggy. La mini, elle est dans ton bâtiment. Ah ouais, sur mon toit. Okay. Il est arrivé droit sur moi, là. Ouh la poêle. Ah mon gars, après ce qui s'est passé la game d'avant, t'inquiète pas que les poêles je vais les prendre tout le temps. Attention, faut prendre tout le temps. Déjà je les prenais déjà tout le temps. Mais. Les bâtés c'est la vie. Du coup 4x Charles si t'as. Si vous avez du boost, c'est absolument zéro boost. J'ai 3 et 1. Par contre j'ai 9 trousses, donc je pourrais enfiler. Charles, j'arrive vers toi pour que tu me files 4x et un peu de boost au moins. Cyber. Ah oui. Une grosse tactique là-dedans. Oh non, c'est un point rouge. J'ai trouvé une autre 4x. Du coup, tu veux des trousses ou pas? J'ai une 8x. J'en ai combien? J'en ai 9. Ah, t'as 9 trousses? Ouais, j'en ai bien, j'en ai 2. J'en drop dans ma maison. Dans l'escalier. Escalier de ma maison. Il y a une beryl si ça intéresse quelqu'un aussi. Quelques balles de 5, en vrai ça suffit. Genre Kim, si je me mets dans ces maisons là, c'est bien ou pas? Lesquelles? Bah là où je suis. Non. Pour le moment non, c'est inutile. Ok. Donc je vais revenir vers vous. I guess. Là, à la limite, il y en a un qui peut aller pointeur 1 prendre de l'info. Je vais pointeur 1. Moi, je joue. Prends ton véhicule. Wow. Charlie joue, ouais. Moi, où tu veux. Attends-moi, il est trousse, bro. Tiens. Mais je te les ai droppés dans la maison, bro. La maison, la première prison. J'en ai droppé 3. Sur l'escalier, première prison. L'arrive, hein, parce que ça peut t'arriver dessus. Ok. Et là, pourquoi est-ce que on reste pas dans les maisons? Pour avoir plus d'infos. Parce que moi, je vois souvent chez les pros, je les vois souvent rester dans un campagne, tu vois. Jamais en phase 1 et 2. Ah oui, ok. Parce qu'en phase 1 et 2, faut prendre le maximum d'infos. Là, par exemple, si quelqu'un prend le pont, notre but c'est de lui shooter dessus. On réfléchit pas, on shoot. Mmh. Par exemple, moi, si toi
ça te push par la rive, on va avoir tendance à aller à tous monter vers toi. Ouais, Arne, joue avec lui, ce sera mieux. Et bah, j'ai joué en plein de soupe, pourquoi ça va pas? Non, non, joue tu avec lui. Bah, je vais prendre mon véhicule. Non, non, vous en avez un, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Quand on n'a pas la zone, elle est de l'autre côté. On va faire. Bah là, reprends ton véhicule. On va faire une rota. Je tire. C'est qu'on va aller se poser. Tu veux que je te ramène Charles ou pas? On va faire rota point comme ça jusqu'au point. Ok. Ok, j'ai fait de mon véhicule en tout cas. What? Le véhicule il a perdu de la vie. Ah toi aussi. Moi aussi. Toi aussi t'as neige par moi, what the fuck. Oh par contre j'ai tellement plus d'essence, j'avais pas vu. Ah merde, il y avait une moto à ma droite pour NP. Ouais, avec l'essence que j'ai, j'arrive pas au bout. Faut que je retrouve une voiture sur le chemin. Bah, t'es passé à côté de deux motos. Sérieux? J'en ai vu qu'une. Bah Charles, attends-moi s'il te plaît. Bon, attends, je vais monter avec Joachim, j'ai plus d'essence, je m'arrête. Hop là. Ouais. Là, tu te mets dans le pire endroit du monde. Désolé. C'est pas genre hyper fort de prendre la hauteur là? Sur point c'est... bleu. Non, parce que bah, c'est fort mais tu peux pas y descendre quoi après. Ah ouais. Une fois que t'y es, t'es coincé quasiment. Une fois que t'y es, t'as intérêt à ce que la game finisse dessus quoi. Ouais. On va jouer un peu plus à droite du coup. Déjà à l'antenne. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sais pas, c'est un bâtiment en hauteur. Peut-être des gens ici. Oui, t'as rien vu quoi. Il y a peut-être. Ok. C'est là où je scope quoi. Bah je vais scope côté scope côté sud rivage. Là, genre Kim, le mieux c'est d'avoir pareil un endroit un peu chacun où on regarde. Et dès qu'on scoute, tout le monde va dessus. Alors non. Okay. Regardez, de toute façon, tu regardes partout. Ah, il y a Douzi. Tu regardes partout. Et tout le monde regarde partout. Tu shoot quand tu peux, mais surtout, faut quand on prend le shoot, faut continuer à regarder partout. Malgré qu'on prend le shoot sur une équipe, faut pas se focus. Faut pas hard pick. Faut pas tunnel vision. Sur l'équipe quoi. Mais par exemple si moi je scoute une équipe là devant moi, vous allez tous venir shoot, mais en même temps bien sûr tout le monde regarde toujours autour en même temps, mais tout le monde va venir le shoot, on est d'accord? Plus ou moins. Ok. On bouge les gars. On bouge, ok. En voiture ou pas? Ouais. Ah ouais. Là on les garde jusqu'à la fin. On va où? Et un point. Le point jaune. Ouais. Ah oui, j'ai déjà vu des teams jouer ici. Il y a une bonne visite ici. Ah, je les vois. Sur les collines 325. Au moins 3. Un knock. Ouais, bien joué.
Y'en a un qui est en train de redescendre. Yes, il me prend le shot. On fait shoot. Surtout quand on est tiré, faut pas rester immobile et pas hard pick. Ouais. Du moment que vous faites tirer dessus, faut lâcher. Et par pic au même endroit. Ça a pris la maison, point. Ouais, ok. Celui au fond a pris, voilà les shots. Aïe. On a tous pris un petit shot de mini. Ah, Arn. Ben, en vrai, ce que vous pouvez faire, les deux, c'est prenez le buggy. Ou prenez la moto, prenez ma moto. Ouais. Vous faites ça. Vous allez jouer sur mon trait. Dans le patelin là-bas. Et vous avancez petit à petit sur eux pour les bloquer. Logiquement. On joue là-dedans là ? Ouais, jouez là-dedans. Et vous cleanez et logiquement vous pourrez avancer sur eux petit à petit. Ok. Je vous rejoins instant. J'ai du monde au-dessus de moi. Je l'ai senti ça. Ouais. Ça l'arrivait derrière. Ok. On est déjà plus dans la zone. On prend la moto pour venir vers toi, Jean-Kim. Ouais. Ah oui. Mais là, les véhicules. Dès qu'on bouge un tout petit peu, il faut qu'on les garde. Ok. Et... Sur moi. Non. Je suis entendu trop tard. Oh, c'est Maxizor. Du coup, on fait quoi? Cracher, pointeur. Hein. Ça shoot. Alors là, c'est pas le pointeur. Hein. C'est pas le pointeur. Ah merde, ouais. C'est à gauche. My bad. Et moi je troll. Alors là, non, jamais ça, jamais. D'accord. Bon, ça, non, merde. Jamais. On a eu de la chance. Si vous crevez. Bah, est-ce qu'il y a du monde au-dessus de vous, hein, faites attention. Je vous rappelle. Pointeur. Oh putain, mais je suis un connard, je regarde même pas les pointeurs quoi. Ah, yes. Parce que là, traverser comme ça à pied, il y a un mec, vous êtes mort. Et puis en plus, on a plus la moto. Et là, ouais, on est on est des gros enculés en fait. On peut le dire. On peut dire qu'on a, tout fait mal quoi. C'est sympa. Parce que là, du coup, fallait jouer où vous étiez, hein. Fallait rester là-bas. Pas grave. Vous auriez pris la station de service, vous auriez joué dans la station. Du coup, ok. Adouzi, il a une grosse équipe, ça veut dire en préparation. D'accord. Maxizor, c'est un gros joueur aussi. Ouais, c'est un ancien joueur pro de chez Avantgarde. Adouzi, ça me dit un truc. Ancien avis. Peut-être pour ça. Ah, du coup, on a plus de moto, ça fout ça. Et donc, retraverser la route, c'est évidemment exclu. Alors, ça va être compliqué, mais vous n'aurez pas le choix de toute façon, mon avis. Ouais. Mais en vrai, personne n'a l'air de savoir qu'on est là. En vrai, faudrait qu'il y en ait déjà un de vous deux qui prenne point. Faut pas que vous restiez deux là, vous avez aucune. Je vais prendre point, je vais prendre point. C'est nul. Ça, faut qu'on bouge là, bro. Là, va falloir que vous alliez point 1, du coup.
À pied ou moto? Bah, en moto. Ok, on va chercher la moto. Go go go. Ok. Charles, reste là, je vais te récupérer. Oh, j'ai pas de quoi sortir aussi, c'est horrible. Monte. Là, le silent il sert à rien. Ok. N'oubliez pas, hein, y a toujours du monde sur la hauteur, hein, niveau 2.3. Ouais, je sais. Parce que j'ai checké tout à l'heure, vite fait. Ah, oui, c'est vrai. Là, on était tout à l'heure. À part un endroit où on peut jouer à deux, où on peut jouer de part, l'un de nous deux. J'ai joué dans le cabanon. Je sais pas trop si c'est vraiment utile de jouer dans le cabanon. Au moins, si on se fait lâcher tous les deux, on pourra se dire qu'on s'est tué tous les deux, quoi. Au moins. Bah là, logiquement, vous allez pas vous faire hache. Quelqu'un que vous hache, c'est que vous l'avez pas vu, donc c'est pas normal. Pas vu et pas entendu. On se vivant, putain, j'ai pas vu. Ouais, ça va vite en... En 260 sur le haut de la colline. Je suis en train de rater la première game, moi, là. Genre, point 3, il y a des gens. Quelle game? De PCS. Europe. Ouais. Ça, il y a qu'un mort. Je pense que du coup, moi je vais arrêter, je vais regarder tranquillement la PCS après. Tu voudras rejouer ce soir? Ouais, je rejouerai après du coup. On refera de la enquête de meilleure humeur quoi. Ça pourrait. Yes. C'est pour ça que je préfère arrêter là, comme ça je. Parce qu'hier, le problème c'est que j'ai joué non-stop de 16h à 23h et du coup, à la fin, j'étais. Blasé. Au moins là, comme ça, ce soir, j'aurais bien envie de jouer. Tu restes nous coacher pour la fin de la game. Oh, oh je les vois sur la colline 275. Là, faut non, pas tirer. Pas. Là, vers point le bleu. Seul moment où vous tirez, c'est pour tuer. Vous allez jouer là. Ouais. On snake. Ok. Bah, je me fais tirer. Je sais pas s'ils m'ont vu, mais en tout cas, ils ont tiré sur mes fenêtres. Oh, j'en vois un. À droite sur la route. Lui, je devrais le tirer ou pas? Ah, lui, faut le tuer. De toute façon, tu t'es. Putain, mais ça. Tu t'es fait repérer. Mais il s'est arrêté de bouger en plein milieu de la route comme un bot, il a pris deux shots. L'arme, faut que tu piques, hein. Milieu de la route, pointeur 1, faut que tu le tues. Faut le tuer. Sinon, vous rentrez jamais en zone. Pointeur 1, pointeur 1, pointeur 1, pointeur 1. Voilà. Sur le milieu de la route. Il est quasiment au milieu de la route. Bah, là, il y est plus. Il est peut-être derrière les tanks. J'en vois un qui descend derrière la colline. 240. Ah, c'est chaud. Yes, c'était Roshi. Ça, c'est Adouzi. Adouzi, il est Roshi ici. Là, Arne, par exemple, tu vois, t'as Arne pique. Tu cherches un mec et tu fous le scope, tout ça, c'est. Ça, c'est vraiment. Ouais, je suis un connard, je suis pas foutu, j'y arrive pas, je suis bien soir. C'est ça. Attends, on va le laisser jouer. Je sais pas quoi faire. Ah, oui, d'accord, c'était 4v1. C'est la même équipe. Ah, nice. Ah mais on était contre eux en fait. Bon bah ouais, fait un top 2 quand même. Alors c'est pas grave, ça va rentrer, faut juste que tu joues tout ça, ça va. Mais faut en fait si tu faut vraiment tout le temps bouger, faut jamais rester fixe. Tu vois là, t'es resté fixe 2 secondes. Ça pardonne pas avec un mec comme ça. Même en bougeant, il t'aurait peut-être tué. Hein. Je dis pas que si t'avais bougé, il t'aurait jamais tué ou quoi que ce soit. Mais c'est plus dur à toucher, quoi. Ça me casse les couilles, j'arrive pas à être focus dans la game. Il est bien joué. Pas grave. Ce soir, on sera mieux.
Je pense que j'ai pas joué à PUBG là, de la journée jusqu'à ce soir. Je vais chiller sur autre chose. Je pense venir avec toi en vrai, parce que j'y arrive pas trop non plus. Go. Lol, Urf. Ouais, un truc comme ça. Go faire ce qu'on veut. Sea of Thieves, tu veux, non? Sea of Thieves. Je ferais plus de l'Urf, je t'avoue. Ouais, moi je ferais plus de l'Urf aussi, mais. Bah voilà, parfait alors, c'est décidé. Go faire un peu d'Urf. J'ai le petit logo Sea of Thieves qui me parle un petit peu de temps en temps, il me chuchote des trucs à l'oreille. Il te caresse le gland gentiment. Il chuchote. Kaké. Ouais, ce qui me chuchote, quoi. Ouais, j'imagine bien. Bon. Et c'est vrai qu'ils étaient, pas mauvais, les messieurs. Par contre, il m'a pas touché une seule fois, Douzi, mais. Est-ce qu'il avait besoin de te toucher? Pas vraiment, parce qu'il y avait Offstring, je crois que c'est lui, je crois que c'était son nom, qui m'a éclaté le cul juste derrière. Par contre, en commençant en silver, on tombe avec des gens comme ça, ils ont pas encore fait de ranked ou quoi? Bah, ils peuvent être gold. Ouais, peut-être. Ah, moi d'ailleurs, dans 15 points, je suis silver là. Faut faire une bonne game et je suis silver. Moi dans pas ou d'une game, je rank up. Je suis pas silver 2. Je suis à 1760. Bon bah, Guillaume, j'arrête le stream.